Eh bien, bonjour à tous, c'est Caudran et aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode numéro 25, 26, je sais plus, sur Attila Total War. Toujours effet sapin de Noël et bien évidemment je tourne après l'épisode précédent en avance, puisque le moment où vous aurez en fait tous ces épisodes, je serai pas vraiment disponible pour tourner des vidéos. Prérogative de rentrée, tout ça, famille qui vient un peu chez moi, etc., etc. Donc voilà, mais n'hésitez pas quand même à commenter, etc., à dire ce que vous pensez ou quoi que ce soit, hein. Je pourrai toujours répondre, ça, y a pas de problème, c'est juste que j'aurai pas le temps de... Enfin, j'arriverai pas à trouver assez de temps pour tourner, faire le montage et tout, donc je fais ça à l'avance. Mais enfin bref, trêve de bavardage, alors... On va regarder un peu d'ailleurs les victoires, voilà, j'ai regardé les victoires. Victoire mineure, donc c'était ce qu'on avait fait à la base. On a tout qui est coché, sauf produire la richesse. Qui voudrait dire qu'en fait là on aurait juste à attendre et on gagnerait. Victoire militaire. On n'a pas grand chose, mais la victoire militaire, vraiment, je trouve ça assez abusé. Quoique, victoire militaire, c'est peut-être ce qu'on pourra viser. On ne verra pas Triomphe Divin. Enfin, cette série, je l'arrêterai quand je l'arrêterai. Je veux au moins remplir une victoire. Ne serait-ce que la plus petite. Et je veux que le royaume Visigoth ait une bonne tronche, c'est-à-dire toute l'Espagne, le sud de la France minimum, un royaume Visigoth, quoi. Donc, on va prendre cette armée ici, j'avais dit que j'allais renvoyer ça. Ah, mais le problème, c'est que le mec a fourvoyé l'armée, on va envoyer ça à Malacca. Enfin, Malacca. À Hispalis. Ça va péter au prochain tour. Ici, un ermitage latin... c'est chiant parce que il y a du coup de maintenance. Bah, sinon, c'est une église latine de toute façon. Bon, on va la laisser, on va juste la réparer. On va réparer tout ça. Voilà. Ça a l'air de bien se porter, America Augusta. C'est plutôt bien ça. Et du coup, voilà, on a plein de sites de construction vides et on a de la thune. Alors là, il y a un verger, on va le laisser. Qu'est-ce qu'on va faire de beau ici? Je ferais bien un puits, c'est pas trop cher, c'est bon marché, c'est assez utile. Un artisan, peut-être pas tout de suite. Une ferme, on n'en a pas besoin. Je vais faire une maison du chef, je pense. C'est pour la production de vin, on verra ça plus tard. Ici, on peut convertir ça en grange, on peut convertir ça en centre-ville. On pourra convertir ça en étal du marché ou celle de réception, mais je ne ferai ni l'un ni l'autre. Je vais préférer faire un artisan ici pour avoir plus de revenus. Et bah là, on n'a pas assez d'argent. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est tout pour ce tour-ci en phase de construction. Maintenant, en phase militaire, je crois que ça va être tout aussi, parce qu'on n'a vraiment pas grand-chose de toute façon à faire. Je peux pas assassiner les trucs avec lui. Meurtre. Non, voilà, j'étais en train de faire ça. Par contre, c'est bizarre parce que je peux pas. On peut pas envoyer les espions dans les armées. Ce qui est quand même problématique. On va les manipuler, l'agent, c'est pas grave. Hop. Marchaï, marchati pas. Échec. Grave. Fera toujours des points d'expérience. Là, ok. L'armée ici. Trois tours et c'est plié. Magnifique. Cette armée-là fera des cartons. Alaric, toujours là-bas. Je vais peut-être franchement amener une expédition carrément au nord là-bas. Passer par le détroit là. C'est chez les Saxons ça. Les Saxons ils m'aiment bien. Hein. On va essayer de vous négocier un petit truc hein, avec les Saxons. Alors, les chers Saxons. Soyez le bienvenu, noble ami. Partageons le pain et la bière avant que les. Accès militaire modéré. On va reformuler ça. Accès militaire.
je leur donne toute ma thune. Ok. Ok, merci, merci. Tous guerriers. Bah, quoique, hey, finalement, attendez, l'accès militaire, j'ai un peu envie de dire, on s'en fout. En deux tours, on passe de l'autre côté, on va poutrer cela, on met la Samsila à sac. Ça me semble une bonne idée. Ça me semble une bonne idée. J'aurais bien des agents quand même. J'aurais dû le faire remonter celui-là, c'est pas grave. Dieu soit loué. Enfin du divin. Les Huns apparemment sont partis, c'est parfait. Toi, va t'occuper de cette armée. Cette armée-là, elle va être boostée à fond. Ça, c'est moi qui vous le dis. Bah, c'est bon. Et que t'auras fini de marcher. Voilà, donc on va finir ça. Donc le général, celui qui s'était fièrement battu dans la dernière grosse bataille. On va améliorer la défense en mêlée. Ça, c'est le général qui a les onagres. Je vois pas ce qu'on peut mettre. Allez. On va dire qu'on va aller vers le taux de fatigue. Voilà. Et voilà, passons le tour immédiatement, prestement. Comme on dit. Et je vais juste me lever et faire un petit truc. J'en ai pour 2 secondes. Ah. Gouverneur. Je sais pas ce que ça veut dire, on va regarder ça. Tac 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 tac. Oui, je suis juste en train de regarder 2-3 trucs sur le portable. Vous inquiétez pas, on n'a pas pour long. Les 1 apparemment sont complètement allés vers le centre de l'Europe. Ce tour de l'infini. Ah. Ah, j'aime bien quand je vois les séparatistes, ça veut dire que c'est toujours la fin. Allez, chien. Oh non.
Non, attends, non. Non. Mais tu veux que je fasse quoi là? Allez, on va encore perdre des mecs. Allez, c'est parti, voilà. Ah, saloperie. Ça absente un tour et c'est bon quoi. Oh là là, j'ai encore perdu deux hommes. Enfin, deux généraux. Ah, ils sont chiants. Ah, ça va chier. Ça va chier. C'est moi qui vous le dis. Armée punitive. Prêt pour la bataille. Laissons-les battre en retraite devant nous. Agressif. Hop, hop, et hop. Voilà, saloperie. Je vais tous les empaler sur la route. À occuper. Voilà. Ah, bah finalement j'ai rasé son armée d'un coup, donc tant mieux. Bon. Bon, bon, bon. Il faut qu'on aille à Cordoue. À Cordoue bas. Faut qu'on mène l'assaut sur Cartagena ensuite, parce que là ça va pas. On va pas continuer comme ça. Là ça se reforme lentement mais sûrement. Ici ça sert à rien de gaspiller de l'argent. L'agent, je vais le voir pour espionner un petit peu les côtes, histoire d'éclairer en fait. Voilà, bon, on a toujours le général romain. Je pense pas que les romains vont trop bouger de toute façon. On leur a donné un sale coup. Alors, dans la province ici. Ah bah on a toutes les villes. En Béotie, on a toutes les villes. Enfin en Bétique, en Béotie. En Bétique, on a toutes les villes. Bon, là voilà. Un travail jeté à l'eau. On a un site de construction. J'ai dit que j'allais faire un artisan. Puis là, on va faire un centre-ville. Et après, donc, il faudra encore qu'on économise de l'argent pour convertir les gros bâtiments. Attendez, plus 3, moins 5. Provenant du commerce. Ah, d'accord. On privilégiera l'industrie. Une petite ferme là-bas. Je ferais bien un autre bâtiment, mais on peut pas. Ici, ça va. Bon. Là, on a réussi à stabiliser apparemment tout le monde qui braille. Voilà, je vais faire de suite une maison du chef. Et là, on va faire un dépôt de sel. Parce que visiblement, les Gaulois ont dû raser nos mines de sel. C'est dommage. Ici, au prochain tour. Ah, parfait. Parfait, parfait. On aura... Dans deux tours, l'armée sera constituée. Détail de l'agent... D'accord. Donc ça me semble bon. Donc on a la grosse armée romaine, enfin des rebelles romains juste là. On va toujours regarder dans l'onglet diplomatie, les jutes et compagnie. Hein. Parce que regardez pourtant, j'ai pas tant d'ennemis que ça, je veux dire, ça tire pas la tronche partout. Voilà, bon allez, on va te faire voir. Et toi non, t'as oulala. Petit problème. Rejet, rejet, d'accord. Bon, Alaric, on va encore le laisser en haut avant de mener l'expédition au nord vers la Gaule. Et on va déjà pouvoir passer le tour. On pourra faire une nouvelle... d'accord, parfait. Je pense que là, on fera un siège, on mettra plusieurs armées dessus et on attendra tranquillement qu'ils fassent une sortie. Ils pourront pas résister, enfin, ils pourront pas y résister, je pense, à faire une petite sortie. Alors, allons-y. Mon agent remonte le nord, toujours. Ça, c'est vraiment parfait.
Ah, les jutes. Sacrée jute. Tout ça parce qu'on leur a piqué Bordeaux qu'ils avaient eux-mêmes piqué à l'Empire romain d'Occident, quoi. Mais bon, il n'y a pas mort. Enfin, j'allais dire, il n'y a pas mort d'homme. Si, si, il y a mort d'homme, mais. Le calme avant la tempête. Si ça se trouve, les séparatistes vont refonder l'Empire romain d'Occident. Alors, rébellion en Bétique, d'accord, et naissance. Oh, j'ai pas eu le temps de lire. Ah, yes! Théodoric a eu. Ça doit être une femme. Enfin, une fille. Un fils? Hein? Avec un prénom en A comme ça? Ah ouais! Chintila. J'aurais juré que c'était une femme. J'aurais juré que c'était une femme. Bon, technologie, ça avance. Voilà, bon, alors on a cette petite armée là qui va faire les marioles. C'est vu jusqu'où il se bat. On va pas les suivre, hein. Moi je retourne sur Malacca. En chemin. Mettez en place la surveillance. Voilà. Loué soit le père. Comment puis-je vous aider? Hop, dans la gorge. Vite fait, bien fait. Fin de la rébellion. Voilà, c'était génial. Ah oui, tiens, et qu'est-ce que c'était donc le truc gouverneur? Mettez en place 10 édits lors d'une seule campagne, d'accord. D'accord, d'accord. Alors maintenant on va continuer cette campagne, alors on va regarder un. Enfin, on va continuer cette campagne, évidemment qu'on va la continuer. Ouh, on manque de thunes là. On manque d'argent. On manque vraiment d'argent. On a une petite armée ici. Je pense qu'on enverra les deux là-bas. Il y a pas mal de monde. Hein. Hop, ok. Alors à Burdigala, on a des trucs à faire. On a des champs à améliorer.
si les constructions sont bientôt terminées, j'ai hâte de voir ça. Ici. Non, bah il faut qu'on économise, écoutez. Mon agent. Vers le nord, toujours, voilà. Pour voir ce genre de choses, par exemple. Alors, par contre, j'ai un truc. Ah, c'est juste ça, d'accord. D'accord, d'accord. Bah écoutez, je propose une chose. On va se quitter ici pour ce tour-ci, mais aussi pour cet épisode. Donc j'espère en tout cas qu'il vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous. C'était Caudran. Et au prochain épisode, je vous épargne le temps du passage de tour. Allez, salut à tous.